Hello tout le monde, je suis trop contente d'être de retour par ici après quelques semaines de pause. C'est un peu la tradition, voilà, je coupe au mois d'août sur YouTube et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai plein de choses à vous raconter. Tout d'abord, j'ai investi dans une nouvelle caméra de vlog. La précédente était clairement au bout du rouleau après plus de 2 ans de travaux. Voilà, c'était vraiment mort et ça faisait des années que je l'avais. Et j'en ai profité pour augmenter la qualité. Donc voilà, je pense que vous verrez la différence quand même. Du coup, par où commencer? Donc on est parti en vacances. Je suis d'abord partie en Italie avec Com dans la famille. C'était très chouette. Et ensuite on est rentré et puis on est parti avec mon compagnon et puis le parrain de Com. En Ardèche, c'est un coin de la France qu'on connaissait pas du tout et on a vraiment adoré. Et ensuite, on a fait quelques jours aussi dans le Luberon. C'était notre deuxième fois et on a pu découvrir de nouveaux villages, tous aussi charmants les uns que les autres. On avait envie de rester en France pour cet été et on regrette pas du tout. C'était vraiment de belles semaines de vacances. On en a pleinement profité. J'ai passé un mois avec Com et on en a aussi beaucoup profité, ça nous a fait beaucoup de bien je pense. Et puis est venue l'heure de la rentrée scolaire, la toute première puisque ça y est, il est rentré en petite section. Ça me fait quelque chose, je suis un peu nostalgique et en même temps je suis hyper contente pour lui. Donc voilà, ça s'est bien passé, je vais pas m'éterniser parce que c'est sa petite vie à lui. Mais voilà le pourquoi du comment, je reprends les vidéos maintenant. Je vais pouvoir reprendre un rythme de travail un petit peu plus régulier. La semaine dernière c'était encore un peu en dents de scie et là ça y est, il est à l'école donc c'est ok. Bon, c'est l'heure du petit point lecture. J'avais emporté ces trois livres-là en vacances et écoutez, je les ai dévorés. J'ai découvert les romans de Virginie Grimaldi un peu sur le tard, mais écoutez, vraiment, ce sont des lectures qui sont hyper simples, qui se lisent facilement, c'est léger. C'est typiquement le genre de livre que j'aime bien lire en vacances quand j'ai envie, voilà, de me vider la tête et j'ai adoré. À chaque fois, je trouve qu'on se laisse vraiment prendre par les histoires, les personnages qui sont très touchants et les histoires m'ont vraiment beaucoup plu. Donc voilà, je vous laisse mettre pause si jamais vous voulez lire les résumés, la quatrième de couverture. J'ai fait tomber celui-ci dans la piscine, hein. Écoutez, on ne change pas une équipe qui gagne. Je reste maladroite et Pierre Richard même en vacances. Mais en tout cas, je vous les recommande vivement. Je les avais achetés sur Vinted à une même personne. Donc il y avait tout un lot. J'en ai encore deux, je crois, à lire de cette autrice. Donc voilà, trop belle découverte. Bon, et avec la rentrée, j'essaye de me faciliter un petit peu le quotidien. D'ailleurs, hop, je viens de récupérer mon colis La Fourche. C'est une épicerie bio en ligne. Je suis cliente depuis environ un an, je pense. Je vous en ai parlé quelques fois par ici et la marque collabore avec moi pour cette partie de vidéo. Je suis toujours aussi adepte du concept en fait. Donc ils ont un système d'adhésion, ce qui nous permet d'avoir de belles réductions sur les produits. Et j'ai envie de vous dire qu'au vu des augmentations actuelles, c'est pas négligeable de pouvoir faire des économies. Donc c'est parti pour le retour de course. Là j'ai repris un peu nos indispensables de l'épicerie, les produits secs, etc. dont on se sert le plus souvent à la maison. Tout d'abord j'ai pris deux bocaux de tomates en coulis. Ça je m'en sers régulièrement. Je trouve que c'est une bonne base pour les sauces par exemple avec des pâtes, du riz. Une petite boîte de sardines, j'en ai toujours à la maison. C'est un peu comme le thon. Et tous les produits qu'on retrouve chez La Fourche sont bio. Il y a beaucoup de produits locaux, des produits français. Donc c'est d'autant plus chouette. Ensuite j'ai repris du pain des fleurs. Ça je m'en sers notamment pour les petits encas quand j'ai un creux. Je m'en suis beaucoup servi aussi quand je faisais la DME pour Com et il en mange encore un petit peu maintenant. D'ailleurs en parlant de lui, j'ai repris un pack de compotes comme ça, donc il y a différents goûts, pommes, pêches, abricots. C'est hyper pratique pour les goûter à l'extérieur, ça dépanne bien. Et c'est 100% fruits, donc ça c'est très bien. Ensuite j'ai pris des petites choses pour la pâtisserie, de la poudre à lever. Celle-ci je l'ai déjà testée plusieurs fois et elle est très bien. Quand j'ai envie de grignoter quelque chose, j'essaye de prendre plutôt du chocolat noir. Donc là j'ai pris celui-ci, 85%, il est très bon. Et puis j'ai pris du chocolat dessert. D'ailleurs je vais faire une petite recette de brownie après que j'adore, je vais vous montrer ça. Il y a aussi un large choix de produits en vrac et ça c'est génial. Mais c'est là que je m'approvisionne en règle générale pour ensuite pouvoir remplir les bocaux à la maison. Donc là j'ai repris tout d'abord du sucre de coco. Je le privilégie au sucre raffiné et il est vraiment très bon. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas donné notamment dans les magasins bio et avec les prix proposés par La Fourche, ça vaut le coup. J'ai repris aussi des chips de banane, c'est excellent, n'hésitez pas à goûter si jamais vous ne connaissez pas. Ensuite des basiques pour la cuisine, à savoir du riz basmati blanc, donc là j'ai pris un sachet d'un kilo et j'ai pris aussi des macaronis semi-complets, un kilo aussi, donc on aura de quoi faire. Des pépites de chocolat noir pour les petits déjeuners, pour la pâtisserie, ça c'est quelque chose que je reprends aussi assez régulièrement.
Et là, j'ai craqué pour les petites noisettes au chocolat au lait. Elles sont délicieuses. C'est un petit peu comme des maltésers, mais en moins sucré. La composition est un peu plus saine. J'ai pris également cette préparation pour faire des pancakes ou des gaufres. C'est pas du tout le genre de choses que j'achète habituellement, mais là j'ai vu passer sur Insta, en fait ça m'a donné envie, ça avait l'air trop bon, donc je me dis que pour dépanner, je peux vous assurer que ce pot est toujours dans mes commandes. La fourche, c'est la nocciolata, j'en raffole, j'essaye de me raisonner, mais je pourrais clairement la manger à la cuillère. C'est le gros pot de 650 grammes, donc voilà, comme ça, ça me fait un moment en règle générale. J'ai repris aussi de la sauce soja, j'ai gardé l'emballage pour vous montrer qu'à chaque fois tout est bien protégé, j'ai jamais eu de casse. Alors que ce sont quand même des produits en verre, donc ça c'est plutôt cool. Je fais partie de la team soja sucré. Ce sont des grandes bouteilles qui me permettent ensuite de remplir mes petites pipettes, vous savez. Il me reste quelques petits produits salés, donc j'ai pris du pesto vert et du pesto rouge. Ça, je trouve que ça fonctionne toujours bien. Et dans la même lignée, j'ai pris la pâte de curry jaune. C'est 1000 fois meilleur que le curry en poudre. N'hésitez pas à tester la pâte de curry. Ça permet de bien parfumer vos plats. Moi, je m'en sers notamment quand je fais des currys de légumes, des currys de poulet, etc. C'est trop trop bon. Pour l'apéro, j'ai pris un petit pot de délices de tomates séchées. Pour tremper par exemple les graissins comme ça, donc ça c'est la version aux graines de sésame. Je trouve que c'est toujours assez efficace avec des petits légumes à croquer, des chips, etc. J'ai pris des petits wraps, donc les tortillas nature, ceux-là sont vraiment très bons. Et alors il n'y a pas que de l'alimentaire sur la fourche, vous retrouvez aussi tout ce qui est produit d'hygiène pour les bébés, pour l'entretien de la maison, etc. Il y a vraiment un vaste choix. Donc c'est super pratique, ça évite de courir dans les magasins à chaque fois. Et là, j'ai repris notamment mon shampoing de la marque Santé. C'est celui que j'utilise depuis des années. Donc si jamais vous voulez tester, le code Camille20 est toujours actif. Il vous offre 20 euros de réduction sur l'adhésion annuelle. Et sachez que vous avez 30 jours d'essai pour pouvoir vous faire votre propre avis et découvrir un petit peu les produits. Après, vous pouvez annuler si jamais vous n'êtes pas convaincu. Mais personnellement, j'en suis toujours aussi ravie. Ça fait un an que je commande mes produits secs sur le site de La Fourche et c'est hyper pratique que tout arrive à la maison. Vous pouvez aussi vous faire livrer en point relais. Et franchement, c'est un gain de temps considérable, donc trop contente. Et ces petites boules enrobées de chocolat là, c'est tellement bon. Je peux vous assurer que le paquet ne va pas faire long feu. C'est le genre de truc, on peut pas en manger que deux ou trois, on est d'accord. C'est genre, c'est addictif, trop trop. Bon, on est invité ce soir et j'avais envie de préparer un petit brownie pour l'occasion. En règle générale, ça fait l'unanimité, c'est à base de chocolat, ça plaît toujours. Et là, j'en ai pour aller 10 minutes de préparation, c'est super rapide, donc je vais faire ça tout de suite. Je vais déjà commencer par faire fondre le chocolat. Et puis je vais ajouter 150 g de beurre. Alors c'est pas du tout le genre de dessert qui est équilibré, hein. Mais en même temps, moi quand je fais ce genre de truc, c'est pas pour le faire à moitié. Je pars du principe qu'il vaut mieux en manger occasionnellement, mais quand on en manger vraiment quoi, si vous voulez. C'est un peu comme le coca, je préfère en boire moins souvent, mais boire un vrai coca avec le bon goût du coca quoi. Je suis désolée pour le bruit des travaux en arrière-fond, mais on a les maçons qui sont en train de construire les murs extérieurs, donc voilà. Donc je fais fondre tout ça au micro-ondes. Pendant ce temps-là, je vais casser 2 œufs. Je vais ajouter 100 g de sucre. Donc moi, là, je mets du sucre de coco, mais vous pouvez mettre le sucre de votre choix. Donc je l'ajoute aux œufs. J'ajoute une cuillère à café d'extrait de vanille. Je vais ensuite bien mélanger le chocolat avec le beurre fondu pour avoir quelque chose d'homogène. Et je l'ajoute au mélange précédent. Ensuite, j'ajoute 150 g de farine. Je vais le faire en deux temps. Et pour terminer, je vais concasser 100 g de fruits secs. Moi, j'aime bien mélanger noix de pécan et noisettes. Je trouve que ça se marie assez bien. Après, vous pouvez mettre aussi des noix si vous préférez. Enfin, vous faites un peu en fonction de vos goûts. Ensuite, je vais réserver une petite partie qu'on mettra sur le dessus du brownie et le reste je l'incorpore à la préparation. Ensuite je verse la préparation dans un moule et puis je saupoudre les petites noisettes et noix de pécan sur le dessus. C'est vraiment vite fait, bien fait pour le coup. Déjà là ça donne trop envie et du coup je l'enfourne à 180 degrés pendant environ 25 minutes.
Ça y est, je viens de le sortir du four. Il a l'air délicieux. En tout cas, ça sent super bon. En général, il est bien moelleux. Et puis, les fruits secs apportent un peu de croquant. Donc, je pense qu'on va se régaler. Et côté look du jour, c'est très simple. Je porte une petite robe brodée et crue qui est nouée à la taille. C'est une robe portefeuille. Je l'avais trouvée aux archives chez Cézanne au début de l'été, je crois. Elle est vraiment très mignonne. Le travail de la broderie est vraiment réussi. Et c'est le genre de coupe qui est assez flatteuse avec le décolleté croisé. Et puis la petite ceinture pour nouer à la taille. Bon, et maintenant, on file déjeuner en amoureux. On va dans notre resto préféré, c'est l'Aromate. Il se trouve à Semécourt en Moselle pour celles et ceux qui sont du coin d'ailleurs. On essaye de s'accorder ce genre de moment-là, rien que tous les deux, une fois par mois. On n'y arrive pas forcément tous les mois. Ça peut être un déjeuner au resto ou une soirée. Et je trouve que c'est hyper important de pouvoir se retrouver rien que tous les deux. Surtout quand on devient parent, bah forcément les moments rien qu'en amoureux sont plus rares qu'avant. Mais quand on en a la possibilité, c'est vrai qu'on aime bien se prendre ce petit temps-là pour tous les deux. Et on est deux vrais épicuriens. Pour nous, la bouffe, c'est sacré, clairement. Donc voilà, ça nous fait trop plaisir de pouvoir s'accorder ce petit moment-là. Bon, on est bien rentré du resto, ça y est, c'était délicieux. Comme à chaque fois, je crois que ça doit faire presque 10 ans qu'on va dans ce resto-là et on n'a jamais été déçus. Les produits sont frais, c'est très savoureux, les associations sont bien réussies. C'est vrai que c'est une trop belle adresse, donc autant la partager. Certaines personnes m'avaient demandé pourquoi faire une buanderie à l'étage puisqu'il fallait quand même pendre le linge au rez-de-chaussée. Mais en fait, on a un toit-terrasse, enfin on en a deux, on en a un ici et un sur la droite là-bas qui donne de notre chambre. Et en fait, c'était un point indispensable pour nous pour pouvoir pendre le linge en extérieur quand le temps le permettait. Et du coup, c'est hyper pratique puisque juste ici, c'est le couloir. Je sais pas du tout si vous repérez. Là, on a notre chambre, celle de Côme. Et ici, c'est le couloir avec après la dalle de verre. Et la buanderie est juste sur la gauche. Donc en fait, ça nous permet de sortir et de pendre le linge directement ici. Et quand il fait beau, comme aujourd'hui, c'est carrément appréciable de pouvoir faire sécher le linge à l'air frais. Et ensuite, juste ici à gauche, on a mon bureau avec la porte-fenêtre, vous savez. Bref, à la base, je voulais vous parler de mon étendoir à linge. Alors, je sais que ça porte un nom différent selon la région où on habite en France, mais écoutez, moi, j'appelle ça un étendoir. Et en fait, il est trop pratique. Avant l'appart, j'avais un étendoir bien cagneux, vertical. Et en fait, avec cela, je trouve que on gagne vraiment pas mal de place et ça permet de mettre plus de linge. Donc ici, on est sur un format horizontal. Et surtout, le plus, c'est qu'il y a cette espèce de tringle au-dessus qui est amovible, hein. On peut totalement refermer ensuite l'étendoir quand on l'utilise pas, et ça nous permet de suspendre tous les hauts en fait directement sur cintre, et je suis assez partisane de ce genre de séchage puisque ça permet au linge d'être bien moins frincé, vous avez pas le pli, vous savez, que peuvent donner les petites barres en métal, et franchement c'est hyper pratique. Alors c'est la marque Brabantia, je crois que je l'avais acheté directement sur le site, mais il est vraiment super super bien. Moi je l'ai laissé dehors, il a absolument pas bougé, ça fait plusieurs mois que je l'ai. Je pense qu'il va être assez robuste, en tout cas il a l'air qualitatif, et je pense à ça parce que j'ai une machine à étendre, donc je vais faire ça tout de suite. On est vraiment sur la partie de vlog trentenaire, hein. Là on voit que les centres d'intérêt évoluent, mais écoutez, je suis hyper contente de mon achat, donc je voulais vous en parler. Bon, je passe sur l'ordi depuis tout à l'heure sur différents projets qui vont voir le jour là dans les semaines et mois à venir. Là, très prochainement, puisqu'à l'heure où je vous parle, c'est dans 2 semaines, nos meilleurs amis se marient et on est également leurs témoins respectifs. C'est un rôle qui nous tient très à cœur. Ils nous ont vraiment impliqués dans les préparatifs et on les aide autant qu'on peut. Et puis moi, je suis à fond sur tout ce qui est DIY, etc. Je vous montrerai un petit aperçu sur Instagram, je pense, une fois que le mariage sera passé. Donc c'est chouette. Et puis il y a d'autres petites choses aussi. Je prépare également une rencontre abonnée pour le mois prochain avec la création d'un atelier, en fait, pour l'occasion. Donc voilà, ça demande toute une organisation d'un point de vue logistique, etc. Donc là, je me suis vraiment mise à fond dans ce projet-là. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, puisque c'est là-bas que se feront les participations si jamais vous voulez être présente. Donc voilà pour ça. Et puis, je travaille également sur une co-création qui va sortir, si tout va bien, pour la fin de l'année, pour les fêtes de fin d'année, avec une marque que j'affectionne depuis des années. Et puis après, en parallèle, il y a le boulot plus classique et puis la vie quotidienne, ça ne change pas.
Mais voilà, je suis assez excitée et puis emballée par ces projets. La fin d'année, c'est la période la plus chargée pour moi côté boulot. Les mois de, voilà, à partir de mi-octobre jusqu'à mi-décembre, c'est très dense. Mais en même temps, c'est une période qui est hyper excitante. Autant vous dire que j'ai déjà hâte d'être à Noël. Il fait actuellement 30 degrés dehors. Et je suis tellement une amoureuse de cette période-là. Et après, je veux pas accélérer le temps non plus. J'ai déjà hâte de décorer la maison pour Noël. L'année dernière, on avait juste pu réinstaller le sapin in extremis puisqu'on avait déménagé le 17 décembre. Donc, il n'y avait pas de déco de Noël sinon à part ça. Donc, cette année, je pense que je vais vraiment m'éclater. Mais bref, on reparlera de tout ça en temps voulu, je suis un peu en train de m'emballer là. Tout ça pour vous dire que du coup je passe quelques heures sur l'ordi, mais c'est pas très excitant pour vous, j'ai pas grand chose à vous montrer d'intéressant. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Bon, et vous vous êtes peut-être dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait celle-ci aux sourcils? En fait, j'ai fait du microblading, vous savez, c'est du maquillage semi-permanent avec un effet poil à poil pour redessiner les sourcils, mais de manière naturelle. Donc ça n'est pas le résultat final, puisque là je l'ai fait il y a 3 jours. Donc c'est vraiment tout récent, il faut que ça cicatrise. À terme, le sourcil sera moins épais et surtout moins foncé. Là, il est un peu trop marqué à mon goût. Après, c'est vraiment une affaire de goût personnel. Il y en a qui vont aimer les sourcils comme ça. Moi, c'est vrai que je préfère quand c'est un petit peu plus naturel, justement. Donc après cicatrisation, ça devrait être ok, mais je suis déjà hyper contente du résultat, puisque moi c'est vrai que j'avais les sourcils qui étaient un petit peu clairsemés, et surtout ça manquait au niveau de la tête. En fait, le sourcil démarrait un peu plus tard, puisque comme beaucoup, j'ai fait la bêtise de trop épiler. En fait, quand j'étais jeune, j'avais tendance à avoir la main un peu lourde sur la pince à épiler, vous voyez, et du coup bah, au bout d'un moment le poil repoussait plus, et là j'ai eu envie de ressauter le pas. Je l'avais fait il y a quelques années, mais c'était un travail beaucoup moins qualitatif que là. Je vous mettrai l'endroit où je l'ai fait dans la barre d'informations si jamais ça intéresse les personnes qui sont de Lorraine. Et en fait, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je me maquille plus les sourcils, plus le temps passe et plus je vais à l'essentiel quand je me prépare, et du coup voilà, je prenais plus le temps de les faire. Mais en même temps, je trouve ça hyper joli quand les sourcils sont définis, puisque je trouve que ça structure vraiment le regard et ça change tout en fait. J'ai une retouche à faire dans un peu plus de 4 semaines et ensuite ça peut durer environ un an. Après, c'est en fonction des goûts de chacun aussi, si on veut que ça reste très défini ou non. Donc on verra bien comment ça évolue sur moi, mais en tout cas je suis trop contente de l'avoir fait. J'ai un peu douillé sur le coup, pour être honnête. En fait, pour le premier passage, il n'y a pas encore de crème anesthésiante, c'est au deuxième passage qu'elle est appliquée, une fois que les pigments ont déjà bien pris dans la peau. Donc j'ai serré un peu les dents, on va dire, mais franchement ça valait le coup. Je suis tranquille pour un bon moment, donc bah, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que c'est que ce zoom? Faut encore que je prenne un peu en main l'appareil photo et que je m'habitue aux différents réglages, etc. Parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités différentes, mais bref. Voilà, écoutez, je vais clôturer ce vlog ici. Il est temps pour moi d'aller chercher mon fils. Et en général, quand je suis avec lui, je pose mon appareil photo, mon téléphone, pour essayer de profiter au maximum. Écoutez, j'espère que cette vidéo de retour vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour aménager et décorer ensemble tout le salon. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous saurez. J'ai trop hâte, ça y est, j'ai reçu tout ce qu'il fallait normalement, donc on va pouvoir s'attaquer à ça. Et puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt. Ça faisait longtemps, hein. Allez, bye.